Bonjour, bonjour, voilà, c'est Serge Jérôme. Ben écoute, voilà, je voulais te partager un petit peu mes études de logo en fait. Alors actuellement, j'ai le logo pour Webmaster au top. Celui-là, logo en fait, c'est le logo que j'ai créé pour mon agence, enfin pour proposer les services de l'agence de publicité, enfin du moins des services de création de maquettes publicitaires, de référencement, tout ce qui a rapport avec la présence sur le web et tout ça. Donc ici, donc j'avais créé ce logo, j'ai créé ce logo ici Webmaster au top pour donc pour l'agence, voilà. Et actuellement, je suis en train de travailler pour préparer un autre site qui sera lui plutôt bon, un site internet, mais sur lequel, disons, je présenterai des formations, des articles et des formations, et où les gens pourront, enfin, où les personnes qui sont intéressées par les formations, les articles pourront s'y rendre. Alors, d'un côté, donc j'aurai ce site avec ce logo. Donc là, c'est vraiment agence de communication, agence de publicité, agence de graphisme et tout ça, avec ce logo-là. Et l'autre, où j'aurai un blog. Alors là, je l'ai commencé ici, je l'avais commencé ici, mais je vais le commencer sur l'autre. Et sur l'autre, ça sera le blog avec les formations que je vais proposer, les formations de graphisme pour entrepreneurs, étudiants qui veulent se faire des CV, qui veulent se faire des CV, des cartes commerciales, se faire des rapports de stage avec InDesign et tout ça. Et donc, en fait, le blog, lui, ben, en fait, je vais le créer sur webmasterautop.fr. Donc, ici, je vais rester sur .com pour l'agence de pub, pour l'agence de publicité. Et le blog avec l'autre logo, donc ce logo-là, c'est juste la couleur qui change en fait. Ça sera là où il y aura les formations, la plateforme avec les formations disponibles, les articles qui ont été sur les thèmes liés à au web marketing, liés au graphisme, liés au référencement naturel, à tout ce qui permet au projet d'être boosté et dynamisé sur le web. Donc voilà, alors ici sur Illustrator, voilà, je suis en train d'étudier un petit peu de rechercher les couleurs en fait. Donc j'ai ce logo ici qui est là, et là je suis en train de préparer la version pour le blog. Alors pour le blog, il me faut un logo aussi qui soit. Voilà, je ne vais pas le refaire, je n'ai pas changé le logo en fait. Ce qui sera marrant, enfin, ce qui sera amusant, c'est d'avoir le même logo mais avec une couleur différente. Et là, je vais mettre information, en même temps c'est de la formation, en même temps c'est de l'information, formation et information. Donc information, c'est le côté article, tout ça. Et formation, c'est tout ce que les personnes pourront apprendre. Donc ben voilà, vous voyez un petit peu sur Illustrator. Alors là, j'ai tiré ici une règle. Hein. Là, j'ai mis une règle ici. Puis je vois que là, je dépasse un peu ici à ce niveau-là. Alors bon, ça va me servir à pas grand-chose en fait de dépasser, si ce n'est que ça va encombrer l'espace. Alors ce que je fais, lui, je vais le garder là. Lui, je vais le baisser un peu ici. Voilà. Alors, est-ce que je laisse le bleu là? Ah, mais non, c'est celui-là. C'est celui-là, en fait, le bon. En fait, ben voilà, j'ai enlevé le bleu. J'ai enlevé le bleu parce que je me suis dit, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Voilà. Donc, voilà, comme ça, il encombre moins. Il encombre moins. À la limite, ça, je vais le caler ici, à la base de cette pointe-là.
Voilà, ça fait. Voilà, donc un petit peu le logo de Webmaster au top information. Enfin, ça sera webmasterautop.fr. Et ça sera le. Voilà, donc pour la création de logo. Donc, si vous souhaitez vous faire partie de cette formation de création de logo que je propose, eh bien, je vous prie de cliquer, de me contacter, par exemple, de me contacter pour me faire signe, pour me dire, ben voilà, moi je suis intéressé par cette formation de création de logo pour entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer dans le graphisme, quelqu'un qui veut être indépendant, autonome par rapport à ses créations. Ou voilà, ou quelqu'un qui est intéressé par curiosité, pour aider quelqu'un autour de soi, pour en savoir plus. Quel que soit, moi je pense que c'est plutôt, ça sera plutôt, je pense, des entrepreneurs qui se lancent. Il y en a beaucoup en France qui seront intéressés. Puis après, voilà, des personnes qui vont apprendre une technique pour créer des logos. Donc, contactez-moi pour me laisser. Alors, vous pouvez me laisser des commentaires dans la vidéo, me contacter par email pour me dire que vous êtes intéressé. Faites-moi vos suggestions, vos problématiques par rapport à justement à ce sujet-là, à la création de logo. Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe? Qu'est-ce que c'est que vous aimeriez que j'aborde éventuellement de manière à ce que je puisse faire évoluer cette formation? Il faut savoir qu'elle sera en évolution et vous aurez toujours accès une fois que vous aurez souscrit à la formation, que vous aurez adhéré à la formation. L'espace de formation sera toujours disponible à vie et il sera en évolution. Donc, en fonction de vos retours, de vos commentaires, eh bien, j'ajouterai des vidéos, des modules pour vous donner toujours plus d'informations et puis vous aurez comme ça un maximum de bonus, un maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, vous allez sur webmasterotop.com. Et je vous offre un catalogue de près de 40 pages d'outils utiles pour réussir son business en ligne. Donc, vous avez juste à laisser votre adresse email et je vous enverrai donc ce catalogue que je vous ai préparé. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, j'attends vos retours pour vous préparer la formation qu'il vous faut et non pas celle que moi je veux. Mais celle qu'il vous faut exactement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.